Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce qu'on a dit ça même? Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Combien de monde qui sentit que l'âme doit commander l'âme au matin pour bénir mon Dieu? Un bon Dieu qui n'est pas jamais en retard. Et un bon Dieu qui n'est pas jamais dormi. Il est toujours levé, campé dans le dossier. Il n'y a pas de remède, Seigneur. Il y a un applaudissement maintenant. L'église, bon Dieu, bénis. Amen. Grâce, bon Dieu, avec vous. Comment nous t'es passé ce matin? Très bien, par la grâce divine. Parce que depuis nous, là, nous avons un souffle de vie. Hein. C'est le plus gros cadeau que nous sommes capables de gagner matin. Et nous connaissons que moi toujours content avec nous, c'est toujours un honneur, c'est toujours un privilège pour moi capable de camper, jouer moi-même tout, pour mon Dieu retirer, pour le mettre parmi nous sauver. Même gens ou même matin, le mettre parmi nous qui sauver. Nous connaissons que nous, dans le mois de juillet, autour du mois de juillet, à l'église Tabernacle, de la Nouvelle Alliance, il y a un thème que l'a traité. Est-ce que l'Église est capable de dire nous qui thème l'a traité 21 pour tout le mois? M'attendez l'Église. Exactement. Nous-mêmes, nous sommes dans l'Église Tabernacle de la Nouvelle Alliance. Depuis début d'année, chaque mois, nous toujours un thème pour nous activer spirituellement, pour nous avoir une touche spéciale sur la vie. Nous arrivons dans le mois de juillet, qui est le mois d'activation de promesses. Restez disposés, restez disponibles pour promesses de Dieu capables de déclencher dans la vie. Ou même promesses qui ont été retardées, ou même promesses qui ont quitté ciel, troisième ciel, qui ont bloqué dans le deuxième ciel, qu'on est que bon Dieu là, est capable de délivrer. Et nous disons tout pour continuer à venir dans le service. Ce n'est pas seulement le dimanche que nous parlons de thème ça. Le mardi, le jeudi également. Donc c'est un thème qui a fait parcours spirituellement et spécialement dans la vie moi-même. Nous souhaitons bienvenue avec vous-même qui visitez nous matin hein, pour première fois l'église là ou la deuxième fois que grâce mon Dieu capable surabonder dans la vie. Yon salutation spéciale à vous-même qui branchez nous en live. Connais que nous remercions et nous souhaitons un bon dimanche, une bonne adoration. Nous demandons de ne pas oublier like, pas oublier aller sous flèche qui m'a qui partager. Cliquez sur le lien, il y a accès pour partager live ça avec tout le monde qui est en contact pour vous. Comme ça, vous va permettre plus de nous bénir, plus de nous édifier grâce à Dieu avec vous. Nous invitons à camper avec Bibou dans la maison. Nous allons faire lecture de la parole de Dieu. Pour ouvrir Bibou avec nous, c'est dans le psaume 118. Je n'ai dit Amen. On nous lit ensemble à la gloire de Dieu. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les mets en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les mets en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les mets en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Les cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes.
La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'œuvre. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous. On reprend. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde sera toujours. Louez l'Éternel car il est bon. Frappez, mais on va nous dire ça. Louez l'Éternel car il est bon. Ou même qui pourra l'adorer, dit ça. Louez l'Éternel car il est bon. Louez le Dieu des cieux. Louez le roi des rois. Louez l'Éternel car il est bon. Continuez, bonne adoration. Continuez à frapper, mon Dieu. Continuez à frapper, continuez. Que le roi des rois passe en paix. Qui est dans ce roi de gloire? L'Éternel.
Si la personne
Lui c'est bon Dieu.
Yeah.
vie au monde matin. Quelle que soit la mer qui t'est levé contre, et quel que soit le vent qui t'a soufflé contre, moi déclarer que si elle l'a parlé dans le nom de Jésus. Moi déclarer que si elle l'a parlé dans le nom de Jésus. Déclarer que tout gros vent est suspendu soufflé dans le nom de Jésus. Déclarer que toute la mer qui a bouleversé, suspendu bouleversé dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on a crié amen cette fois dans le nom de Jésus? Victorieux dans le nom de Jésus. Ou victorieux dans le nom de Jésus. Ou victorieux dans le nom de Jésus. You have overcome in the name of Jesus. You have overcome in the name of Jesus. Ou victorieux. Ou victorieux. Ou victorieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vos assistants soufflés. 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 Je déclare maintenant que vous faites collision avec faveur, mon Dieu. Je déclare que vous faites accident avec grâce, mon Dieu. Je déclare toute porte qui t'est fermée ouvrir sur la ville dans le nom de Jésus. Je déclare que toute porte qui t'est fermée ouvrir sur la ville dans le nom de Jésus. Que mon qui recevra, dis-moi recevoir le nom de Jésus. Dis-moi recevoir le nom de Jésus. Yes. Nous soyons victorieux. Moi dis nous soyons victorieux dans le nom de Jésus. Dix situations nous sont victorieux dans le nom de Jésus. Tell your situation you are overcome in the name of Jesus. Dis nous soyons victorieux dans le nom de Jésus. Dis ça plus fort, nous soyons victorieux dans le nom de Jésus. Situation qui t'a persécuté là. Situation qui t'a pas au problème, non, c'est où quoi le problème qu'on y a. Mais si situation qui t'a pas au problème, non, c'est où quoi le problème qu'on y a dans le nom de Jésus. Alléluia. Je me sens que ciel là, voulait bénir au monde à souhait, ma terre. Je me sens que ciel là, il voulait bénir au monde, ma terre. Faveur, grâce, mon Dieu, a coulé sur la vie au monde. Levez-moi. Faveur et grâce, mon Dieu. A coulé sur la vie au monde matin. Mais dis faveur et grâce mon Dieu. A coulé sous la vie. Au monde matin. We have come to draw. To draw. To draw. Draw from you again. Whoa. We have come to draw. We have come to draw. To draw. Ciel l'a voulu bénir au monde matin. Moi dis, moi senti ciel l'a voulu bénir au monde matin. Ma connaît qui sort des bénédictions qu'elle y est. Si c'est une bénédiction au niveau de santé, si c'est une bénédiction au niveau de la joie. Oh my God, je sens les fruits de l'esprit. Je senti la joie du Seigneur. Je senti une fraîche joie. Je sens, alléluia, I feel the choice. Je sens la joie de Dieu. Je sens la joie de Dieu. Je sens la joie de Dieu dans la vie au monde matin. Je sens la joie. Dis avec moi, la joie du Seigneur, c'est ma force. Dis avec moi, la joie du Seigneur, c'est ma force. Plus de toi encore. Oh, oh, oh. Je viens briser.
histoire que bon Dieu voulait partager matin. Si vous êtes un monde qui sentit au cours de ces maintenant, une situation te fait ou perdre la joie. Vous sentit au cours de ces maintenant, c'est comme un esprit de dépression, un esprit de tristesse qui t'a envahi la vie ou les mêmes côté où il y a. Vous senti la joie, bon Dieu, a touché la vie. Et lorsque la joie, bon Dieu, touche la vie, situation qui te rend triste, là, la disparaître. Problème qui te rend ou triste, la disparaître. Problème qui te rend ou pas qu'à disponible et disposé pour tendre la voix de Dieu. Les bras d'Avachaya, la disparaître, la disparaître. Sous toi et pendant que je vais sous toi, on va le péter un éclat de rire parce que je sentis une joie qui doit envahir ça là. Et pendant que je souris, on va le sourire sur le problème, on va le sourire sur la situation, on va le sourire sur ça qui met de l'eau dans les yeux là. Il y a un acte qui vraiment prophétique pendant que moi, il y a un éclat de rire, il y a un éclat de rire, on va le faire. Et situation qui t'est campée devant là, il est obligé de tomber dans le nom de Jésus. Pendant que je compte sur toi, pour elle commencer à sourire. Et moi, je sens que des gens qui joie, bon Dieu, à rentrer dans la vie. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1, 2, 3, souris. Ragaba, souris, souris, souris. Shabradabaya, souris. Le cabranaga suri, le cabranaga shadaba. Ma qui te problème dans fistre, fistre problème dans fistre situation, fistre problème. Je dis à ce premier dimanche, non. Deuxième dimanche. Je voulais prier spécialement pour mon givlé qui était fini avec Tibio. Si pas de place, depuis que n'a pas de place, mais pas quitter le dehors, mettez là-dedans quand même. Hein? Mais tout en dedans. Depuis pas de place, pas quitter le dehors, mettez en dedans. Si y'a chita pour cher, chita pour cher, si y'a chita à terre. Ça veut dire lié là, petit ça est important pour nous acheter l'autre chaise. Parce que combien de chaises vous manquez? 12. Vous êtes là? Vous êtes à commander? Tout le monde qui était derrière. Mettez dans nos bonnes chaises. Tout le monde qui t'a aidé. Conseil de l'église. Hé, madame, pourquoi Alchita? Mettez dans nos bonnes chaises. Contribuez à notre travail, bon Dieu. Ah, ok. Good. Bayons mon chaise, moi. Bayons mon chaise, moi. Tout maintenant, madame, avec tout PC à la chaise, toutes les chaises. Quand c'est que t'es là? Écris nos mounions, tout le monde qui a entré. Entrez, 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 entrez. Bon, si on donne pas à quitter. Entrez. Plus de toi, parce que on va y avoir mon nom, mon chaise, il y a, et puis là, tout écrit nos mounions, chaise. Avancez. Yannick, c'est ça, avant d'arrêter juste là. Écris nos mounions. Wow, wow, wow.
même qui t'es porté dîme, avancez, moi prier pour vous. Ou même qui t'es porté dîme, avancez. Avancez ensemble avec lui. Ou même qui t'es porté dîme. Nous besoin d'un monde qui va nous une chaise, deux chaises, trois chaises. Ouais, ouais, belle image d'ailleurs, belle image. Belle image en chaise là, vous pouvez s'il te plaît. Qui est postiche dans ce domaine là, tout maintenant, chaise. Belle image en chaise, vous pouvez s'il te plaît. C'est un chétal. Pas de monde qui porte dîme, avancez. Avancez devant. Mes amis, on n'y a pas porté dîme. Ok. Mes amis, il faut que vous m'aille dîme. Ok. Comme qui besoin enveloppe pour dîme, levez mes mains. Madame, on va chita bien, oui, chita sous chaise là. Avancez pour lui, belle maman. Et vous ne pouvez pas être des chaises là. On va chita sous chaise, pasteur, belle maman. On va besoin de paix. Ok. Avancez, belle maman, chita sous chaise, ça vient. J'ai vu. Ok, en attendant, si il y a quelques monde qui dit ok, moi je voulais faire l'église à cadeau, yon chaise, des chaises, les mains, et puis après, donc, et comme ça, c'est une allée, ma belle. Pas de yon, moi, comme ça. Combien comme chaise la pasteur? 2800 pesos. Ok. $60 américains. Secrétaire, il y a un monde qui lève là. Dim. Nous mettons déposer 10 000. Déposer 10 000. Pour chaise. C'est Samantha pour chaise. On l'autre monnaie dit c'est Samantha, s'il te plaît. Oui, oui, nous mettons déposer 10 000. Camille, merci beaucoup. Oui, oui, non, oui, oui, monsieur, bonjour, monsieur, bonjour, madame, non, c'est un bagage. Si vous voulez vous lever, $60, 2800 pesos. Et nous déplacer et orcheyo à déplacer pour capable passer comme yo pour capable bailler offrande. Levez un enveloppe offrande pour prier pour. Si vous pas enveloppe offrande, mandez une enveloppe offrande ou bien dans deux chaises. Dans chaise qui dans deux là, ou envoyez une enveloppe. Pour yemen ou pour envoyer enveloppe là pour mettre offrande. Mandez une enveloppe, levez mes mandez une enveloppe.
Levez l'enveloppe pour aller, ma prière. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour chaque monde qui a décidé de bénir ma terre. Vous êtes béni au cours des semaines, vous êtes béni au cours des mois qui sont passés. Et comme ça, ma terre, vous avez décidé pour vous semer dans le travail. La manière dont vous va bénir, vous va multiplier ça, vous allez là au centuple. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la manière que faveur il va découler sur la vie, afin que vous va toujours gagner pour vous bail. Si la yo qui va te faire face aussi avec l'argent pendant ces semaines, qui t'a remis bail, mais qui pas capable, pendant autant prie, on va ouvrir votre ciel là sous la vie, afin que bénédiction va couler en abondance. Il y en a qui besoin de travail pour être capable de bailler dans le travail. On a demandé d'ouvrir votre travail pour vous. Il y en a qui besoin de promotion pour être capable de bailler plus dans le travail. On a demandé d'être capable de bailler promotion. Il y en a qui ont business, ils ont besoin de business, ils ont agrandi pour qu'ils aillent dans le travail. Nous avons demandé d'agrandir le business. Que ça n'y a pas au matin, en retour, on va multiplier au centuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons dit Amen. Alléluia. Facile, même si on ne va pas parler, on va passer. On dit silence parce qu'on va parler, on va être important là. Faut qu'on y attende. Ok. Fonti, descendre. Ok. Qui rendez-vous nous connaît nos gains pour moi ça? On va dire non? 24 juillet. Ok. 24 juillet qui s'accap bien. Dans mon cas, dit même chaque, non, dit même chaque. Soirée de l'onction, même chaque. C'est programme ça qui m'a organisé dans l'église Tabernacle de la Nouvelle Alliance. Autant de noms déjà, c'est soirée de l'onction. Au monde qui apprécie l'onction sous vie, apprécie grâce, bon Dieu, ferme, on met vite dans la soirée ça. Je prie pour tout le monde indistinctement. Et non seulement, c'est soirée de l'onction même chaque, mais nous connaissons que mon cinquième ouvrage joint qui m'a fait sortir, qui sait comment conserver et faire grandir son onction. Livre ça, si vous ne pouvez pas entrer dans la soirée ça. C'est livre ça, vous avez bien aimé pour entrer dans la soirée ça. Parce que j'aime dédier à qui est je dis à c'est temps pour l'église là supporter pour nous apprendre honorer mon bon Dieu maintenant mitant pour nous apprendre honorer valeur que bon Dieu met dans mitant de dit pasteur ça me dit plusieurs monde ça était triste moi te dit que si l'église là pas supporter mon activité là parce que met tout pas compter sur moi vraiment. Amen. Ouais. Oui, il tournait. Il tournait. Parce que si ça m'a fait à 700 pesos, pour nous pas qu'à vivre honorer, mais qu'on peut prier pour nous là, qu'on s'est prophétique nous là. Amen. Ça pour nous pas qu'à vivre honorer. Amen. On grand livre. On dit pasteur, sous besoin, pas de problème, en amitié nous pas qu'à craser. Mais l'église là, on va besoin de son nom. Oui? Et ça, après un message, je me suis dit, je dis, Seigneur, prends engagement ça. Et bien, ceux qui sont à prêcher son engagement, voilà, son promesse. Je dis, Seigneur, prends engagement ça avec vous. Depuis l'église, là, pas supporté. L'activité, là, on tout coupé pied, mes cités. Parce que chrétiens, les gens qui ne peuvent pas casser, mais nous ne pouvons prendre ça, mais nous ne pouvons pas honorer. Amen. Amen. C'est là l'église a pas le prouver que me doit continuer servir parce que la Bible dit l'on vient annoncer on l'évangile on côté au pas recevoir sous que pour servir on vient aller.
m'a fait la base de la parole, m'a quitté l'église. Dans l'église déjà, t'es bon prophète qui t'a quitté l'église là pour ça. Ouais. Oh, son bon Dieu, t'es qu'on utilise extraordinaire dans l'église là. Yo, un email. Et puis, ils font votre signature de on livre, on sait dès le sorti. Si bien 20 moun de yo, tout quitte l'église là. 5000 moun l'église là. Ouais. 5000 moun. L'église me sortit à 5000 moun. Même moi, je me songe, je l'ai fait votre signature l'église, dans l'église là. Eh bien, moun yo pas de vini, oui. Oui. Puisque même pour yo vini, ouais. Ça, 700 pesos. Non seulement vini, ou ap mene moun. Ou pas vraiment avoir votre signature à connaître l'église là par ville. Et qu'on monte tout le monde l'église là. Ouais. Me plaît l'autre église, me calme ça, me calme travail pour bon Dieu. Malgré moi, maintenant, ma oublié de faire. Parce que son vœu me fait à l'éternel, faut que je respecte. Et puis après ça, mon quitté pour mettre moi, c'est maintenant arrivé. Si pas jeune, moi, jeune avec madame passe, pour aller le bon. Ok? Bon Dieu béni Pep Tena. Amen. Oh. Sou fâché dit en moi. Oh. Tout célibataire qui fâché dit en moi. Va tout passer à pasteur pour venir dire ça là, dire dans samedi parce que cette décision maintenant irrévocable. Quand t'as une belle image, Bachelet, on va gagner mon frère, merci beaucoup. Chantons le Seigneur. Combien de monde a acclamé le Seigneur pour la ville? Acclamez le Seigneur pour la ville. Combien de monde a acclamé le Seigneur parce que c'est bon Dieu? Merci d'avoir dit chez toi. Yon n'a pas eu à moi quand il y a bon défi. Non mais l'homme, j'avais dit bon Dieu, fais pour faire qu'il n'y ait pas. Il y a des gens qui disent qu'ils vont commencer à quitter quelques piques pour eux pour rassembler 700 personnes pour venir m'asseoir avec. Et ceci, il y a investigué si tu as grand monde qui va gagner, il y a des gens qui disent ça. Si tu as grand monde qui va gagner, il y a des gens qui va gagner. Que tout le monde est capable là. Et voilà ici, nous toujours apprenons comment honorer Dieu et comment honorer les hommes de Dieu. Vaisseau qui a servi dans la maison. Et même tout ça, nous avons une signature qui était faite là déjà. Et peut-être si nous avons 20 livres. Et dans 20 livres, au fait, nous avons 20 ans, ce n'est pas mon église là. Donc ça, c'est vraiment décourageant. Amen l'église. Amen. Oui, j'avais dit amen, non? Amen. Ça a vraiment décourageant. Parce que nous n'avons pas gagné l'argent pour nous taper un homme de Dieu qui campait là cap de servir. Amen. Comme tu dis ça, on pas gagné l'argent pour ta payer. Pas gagné assez l'argent pour ta prendre soin, pour ta payer tout bill que nous gagnons. Et ceci pour me servir, pour me desservir, moi accepter abandonner tout. Moi accepter abandonner travail moi. Pour me mettre disponible pour. Amen. Amen. Pendant que je m'abandonne le travail, pas que mon église a facile pour demander. Mais parce que lui, comment faire pour payer toute bille qui a gagné? Parce que je votre travail. Mais bon Dieu fait grâce. Amen. Amen. Donc c'est là pour prouver l'amour pour le prophète Kenny d'Ovilus. Depuis le vini ici, bon Dieu dit, le prophète Kenny, moi, va au Saint-Domingue pour pasteur Lima. Donc ça veut dire, lui vini. Pour être capable d'appuyer nous dans toute bagaille, et ceci sans condition. Et pas grand leader, l'église voici là, qui gagne un salaire. Pas ça. Malgré Dieu 24 sur 24, il a prié pour
n'a perdu nuit. Ou qu'on a dormi nous bon ici, on a perdu nuit. Ou pas comme ça, non? L'enfer, il a foncé des jeunes 6 pour 6 sans manger, sans boire. Mais l'arrivée dans l'heure pour faire action, il faut faire. Vous savez, m'appuyer pour faire Kenya avec décision. Parce que quel que soit ton monde, pas honoré, il n'est pas digne pour le. Et moi, si on bonjour, je garde, je pas honoré, je vais chercher mon baron. Amen. Amen. Comment vous êtes-vous allé? C'est ça, ok. Donc dégagez, non, on dit non ça. Depuis avant même que 24 l'arrivé, je passe dans le secrétariat ministère ou bien je n'ai avec madame Vasseur Mario. Ben non, on est en bas comme là à l'avance parce que. À part de l'activité, il y a un pile de bagages qui sont supposés faire. Seulement pour une sortie ouvrage, il y a presque 100 000 vaisseaux. Et à part de cela, toute notre planification, le système son qui veut venir voir l'activité, on a besoin de tente pour être capable de mettre de l'eau, il y a un pile de bagages. Donc, on a des médias qui sont ensemble avec nous. Donc, c'est-à-dire, c'est bon qu'on ait un peu de temps pour pouvoir faire l'autre bagage, mais c'est pour organiser l'événement pour même encore. Et ceci, il y en a un qui m'a dit, dans le document, ça a été partagé en pile secret. Parce que le titre livre dit comment conserver et faire grandir son onction. Je me sens que j'ai dit ça, il y a un pile monde, bon Dieu, quand on lit le veille. Mais le plus gros problème, l'offre ne vaut pas qu'à être en l'air. Donc, dans l'ouvrage, ça a été un pile secret qui explique comment capable grandir et conserver l'onction qu'il y a. Combien de gens qui t'a remis à découvrir ce secret ça? Amen. Dis-moi un peu bon amen. Amen. Ou qu'à bon petit volume encore dans amen, non? Amen. Donc c'est comme ça. Je me dis bon Dieu merci. Bon, ici, on a consacré des honorés, mon honoré, homme de Dieu. Il n'a fait ça pour moi. Amen. Mais salut, M. Bachelet, qui te promet ton table avec nous matin. Hein? C'est belle image, qui. Belle image plus. Merci. Qui n'a qu'à la matière, on a besoin d'acclamer le Seigneur pour ça. Et moi, je salue spécialement deux mondes qui n'ont qu'à là. Hier soir, nous avons allé célébrer une cérémonie de mariage. Et matin, nous avons vraiment apprécié ça. Nous avons honoré Kaila avec présence. C'est M. Gershon Chaval qui est accompagné de Mme Limitsu Chaval. Amen. Et tout le monde qui l'a encore dans Kaila, nous saluons, nous disons Dieu merci pour la vie. Faut regarder mon qui va côté là, dit bienvenue la Kaila Seigneur. Et monsieur Grégory encore qui l'a avec nous matin, nous saluons le Seigneur pour lui, son ami fidèle avec le ministère Boris. Alors, on doit acclamer le Seigneur pour la vie. Amen. Et maintenant, nous allons avancer et nous voulons avancer ensemble avec lui. Hein. Comme on connaît chaque mois, ici, nous avons un thème qui accompagne moi. Et ceci, c'est sous thème que nous toujours enseigné. Et pour moi, janvier, c'était moi de l'honneur. Après, si nous songeons, moi, janvier, c'était qui moi? Moi de l'honneur. Et moi, février? C'était intimité avec le Père et le Fils. Mois de mars, c'était intimité avec la personne du Saint-Esprit. Mois d'avril, c'était voir et vivre le surnaturel de Dieu. Mois de mai, c'était et mois de juin, c'était mois de restauration. Et pour ce mois de juillet, activation de promesses. Acclamez le Seigneur pour ça. Et combien de monde qui te béni dans le mois qui passe, yo? Amen. Et combien de monde qui a continué béni dans la reste année? Amen. Et son thème qui démarre déjà, nous bénissons le Seigneur pour faire Kenny qui déjà pose un fondement sur le thème là. Et je dis, hein, Dieu t'a utilisé nous
pour nous être capable d'enseigner. Et je dis à nous, on voulait entrer plus en profondeur. Mais juste avant de nous avancer, nous voulons faire un bref résumé de ce que nous avons jeudi. Hein, parce que c'est en connexion avec ce que nous avons jeudi. Et juste avant de parler de l'activation de promesse en soi, il faut savoir c'est quoi la promesse. Parce que vous ne pouvez pas activer un bagage qui ne connaît pas qui s'allie. N'est-ce pas? Donc, vous devez activer un bagage qui a le but de ce que vous avez activé pour connaître qui ça qui va faire. Moi, si je me dis promesse, en fait, c'est l'action de promettre quelque chose. C'est l'action de promettre quelque chose. Nous disons, c'est un engagement que vous prenez pour capable promettre un bagage. Et je me dis, promesse, c'est une action posée dans le présent qui aura son accomplissement dans le futur. Parce que promesse toujours faite au présent. Dis-moi au présent. Au présent. Mais promesse toujours réalisée au futur. Avez dit, même si ma bon bagaille pita dans l'après-midi, je promets le coup, c'est une action qui fait dans le présent, mais qui prend un accomplissement dans le futur. Donc promesse toujours faite au présent, mais yon accompli dans le futur. Et nous avons quelques synonymes de promesse qui c'était, mon guide là avec moi. Yon. Donc, si promesse, vous voulez dire engagement, vous voulez dire serment, vous voulez dire pacte, vous voulez dire obligation, vous voulez dire parole, hein? Déclaration. Vous voulez dire promesse, il y a un synonyme gage, contrat, et tant d'autres synonymes encore que promesse gagnée. Et vous voulez dire promettre, c'est ce que l'on s'engage à faire. Leur promettre, c'est ça engager pour faire ya. Et moi songe moi te dire yon promesse tout li c'est yon espérance qui annonce yon bagay k'ap vini. Est-ce qu'on l'a avec l'église? Nous avons vraiment prêté attention, m'a vraiment bref ensemble avec vous mais voulez pour prêter attention à ça que m'a dit. Donc promesse c'est yon espérance qui annonce yon suite heureuse ou bien une suite malheureuse. Parce que nous avons un texte de référence maintenant de mon qui n'a pas projet qui soit capable de mettre le bonheur, s'il vous plaît. Genèse 3, verset 15, rapidement. Genèse 3, verset 15. Parce que une promesse est capable d'annoncer un bagage qui est bon, parce qu'il y a de bonnes promesses, mais c'est comme ça tout il y a de mauvaises promesses. Amen l'Église. Amen. Et même si il y a de bonnes nouvelles, mais comme ça, il y a aussi de mauvaises nouvelles. Donc, dans Genèse 3, le verset 15, nous, après que l'homme définit le péché, lorsque Dieu lui a prononcé sentence, nous, là, au verset 15, il a parlé, mais pourquoi est-ce que nous sommes intelligents? Avec qui est-ce que Dieu t'a parlé dans le texte? Il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Avec qui est-ce que Dieu t'a adressé? Avec serpent, exactement. Donc c'était avec serpent. Mais pendant que Dieu t'a prononcé sentence serpent, nous, dans la deuxième partie, verset 1, il dit celle-ci t'écrasera la tête. Là, c'est de qui est-ce que Dieu t'a parlé? De moi-même. Bon, Dieu t'a parlé de évangéliste Nadège. N'est-ce pas l'église? Bon, Dieu t'a parlé de évangéliste Nadège et qui pourra écraser la tête. C'est pas. Voilà, parce que l'intelligent lui dit de lui-même. Bon, je t'ai parlé de la femme. Dis-y la tête, il dit, et tu lui blesseras le talon. Mais la promesse qui a été faite dans ce texte ici, c'est que malgré le péché de l'homme, Dieu avait promis à la femme une postérité. Dis-moi postérité. 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 Donc, il y a une promesse qui t'est faite en un châtiment ça. Donc, malgré tout, Dieu te promet avec la femme une postérité. Ça veut dire la femme n'a pas gagné un héritage. Et ceci, ça que me remet, hein? Héritage que Dieu te promet avec la femme, ce n'est pas n'importe quel héritage. Parce que postérité qui t'a fini, qui t'a sorti dans la femme, non? Qui n'a pas rasé tête serpent, ce n'est pas n'importe quelle postérité. Donc, Dieu te voulait parler en l'occurrence de qui? Jésus. Est-ce qu'on a l'église? Bon, Dieu t'a parlé en l'occurrence de Jésus. Donc, malgré tout, dans cette sentence-là, il y avait une promesse. Il y avait une bonne promesse, mais aussi il y avait une mauvaise promesse. Parce que bon Dieu dit, postérité femme, non,
pour écraser tête serpent. On veut dire serpent bon côté parle lui qui espoir la blesser fille dans talon. Mais à la fin ça quoi passe avec tête qui a écrasé. Est-ce que vous avez un bon amen? Amen. Donc bon Dieu bon autorité matin. Donc dans toutes les promesses, je me rappelle que je vous ai dit il y a au moins deux entités. Dis-moi deux entités. Deux entités. Dis-moi deux entités. Deux entités. La première entité dans une promesse, c'est le détenteur de la promesse. Le détenteur de la promesse ou le prometteur ou le propriétaire de la promesse. Hein? Ça, c'est moun qui met promesse. C'est celui qui fait la promesse. L'auteur de la promesse. Ça, c'est moun qui a porté provision. Amen l'église. Et l'autre entité, c'est le bénéficiaire de la promesse. Et le bénéficiaire de la promesse, c'est celui qui reçoit la promesse. Donc nous, chacun là, nous sommes vaisseaux à recevoir la promesse dans mes bons yeux. Donc, Emerson, j'aimerais te dire, capable qu'il y ait une promesse entre deux personnes. Parce que en pile fois, depuis que vous parlez des promesses, tout le monde attend bénédiction dans mes bons yeux. Est-ce qu'on a l'église? Mais pour autant, il faut être capable qu'il y ait une promesse entre deux personnes. D'ailleurs, quand deux personnes disent pour le marier, je me dis par exemple ça. Hein? Et lorsque, même lors de la dernière publication, ils ont toujours dit il y a promesse de mariage entre Nadège Martin et M. X. Je ne sais pas encore. Quand tu es célibat qui là, sois intelligente. Les femmes célibataires sont ici. Donc c'est pour nous intelligentes. Donc, parce que, en réalité, lorsque. Des promesses de mariage entre deux mondes, qui est-ce qui toujours porte ce mensonge-là? Non. Les deux mondes, mais qui est-ce qui fait déclaration qui dit l'autre là? Veux-tu passer le reste de ta vie avec moi? C'est qui est-ce? C'est fille avec ça? C'est garçon, yo? Monsieur Greg? C'est garçon toujours en cachant du côté? Mais ces messieurs, nous sommes quelqu'un qui a senti côté, et puis après ça, il n'y a pas senti rendez-vous avec mesdames. Et puis là, regardez, c'est les filles apparaître, les jeunes messieurs à genoux. Veux-tu passer le reste de ta vie avec moi? Donc là, le garçon, il est le détenteur de la promesse. Il est l'auteur de la promesse. C'est lui qui porte la semence. Donc, il est le. Exactement. Il est le déclencheur de la promesse. Donc, la femme, là, c'est lui-même qui bénéficie de la promesse. Là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une promesse entre deux mondes. Amen. Amen. Donc, moi, je voulais appuyer samedi avec un texte. Regardez-vous, moi, Matthieu 14, verset 6 et verset 7. Matthieu 14, verset 6 et verset 7. Mais pour me dire, dans le texte, ça est vraiment important. À chaque fois, on pourra le faire une promesse pour capable réfléchir deux fois. Chaque fois, on fait une promesse pour qu'on réfléchisse deux fois. Je vais inviter nous à lire ensemble avec moi. Après 4, 3, 4. La fille de Rodias dansa au milieu des convives et plus à Hérode. De sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle. D'ailleurs, on relit ça encore. La fille de Rodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. De sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle. À chaque fois qu'il y a naissance, quoi Hérode, il a toujours offert un grand festin. Bien, dans le festin, ça. Quand madame qui était relée et Rodias qui a une petite fille qui a dansé en pile, cette fille a tellement bien dansé, il gagnait cœur et Rod. Et puis c'est comme ça, Ware et elle lui dit, madame, quel que soit son besoin, ma paoule. Mais à cette époque-là, Jean-Baptiste est enfermé dans la prison. Et pendant que Jean-Baptiste est en prison, Jean-Baptiste est en prison pour une affaire qui est très délicate. Et puis c'est comme ça,
Hérodias t'a cherché une occasion pour tuer Jean-Baptiste si pas de chambre qu'à joindre. Mais roi, t'es qui un pile crime pour Jean-Baptiste parce qu'elle connaissait ton homme de Dieu. Et puis c'est alors lorsque roi lui promet petite fille pour le demander quel que soit salé. Puis petite la lui courir vers maman. Lui dit maman, mais qui offre quoi à faire? Qui ça me demande? Et puis c'est comme ça maman dit, mais ma fille, alors demande la tête de Jean-Baptiste dans un plat. Mais lorsque Hérode t'a fait serment, il t'a fait promesse là, il a dit, il promit avec quoi? Il promit avec quoi? Il promit avec serment. Ça veut dire non seulement il fait promesse là, il scelle avec un serment. Donc ça dit, il n'est pas capable de faire. Et même Jean, là où est mon Dieu, tu es un bagage, et puis après ça, il dit, ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire, ça dit, il n'est pas capable de faire. Ça n'est pas capable d'arriver. Depuis ce qu'on doit l'Éternel finir de parler, il dit ainsi parle. L'Éternel s'avait dit si et de ça dit. Amen. Et ça qu'elle dit, j'agirai qui si. Ça veut dire l'elle finit d'agir par quelqu'un qui va opposer avec. Amen. Et puis c'est comme ça, lorsque Tifi a couru, il rejoint roi. Il dit roi, mon roi, je veux la tête de Jean-Baptiste dans un plat. Nouvelle, ça te déchire que roi. Mais il n'est pas qu'à retourner sur décision. Ça que fait nous, avant pour faire une promesse, réfléchis deux fois. Il y a des promesses pour qu'il faire qui faut crier. Il y a des promesses pour qu'il faire qui faut regretter nos envies de regret. Il y a des promesses pour qu'il faire où tu as envie de tourner sur lui ou pas qu'à retourner sur lui. Et ça fait le bon pour qu'il bien penser avant de faire quel que soit. Promesse là. Et ça me donne la livre biblique. Nous formons ton texte pour nous dans Proverbe 20, verset 25. Et tout de suite, préparez pour nous Ecclésiaste 5, verset 3 et verset 4. Proverbe 20, verset 25. Il faut me dire, non seulement capable de faire promesse entre deux personnes, mais tout en pile fois nous-mêmes l'homme. Nous faisons promesse avec bon Dieu. Nous faisons promesse avec bon Dieu. Et lorsqu'on parle de promesse avec Dieu, c'est lorsque nous faisons un vœu. Nous faisons un compromis avec bon Dieu. Ça, c'est promesse que vous avez. Qui ça dit dans ça? Nous allons mettre nos lignes ensemble avec mon église. Après, 4, 3, 4. Redis pas si ça encore avec plus de vie. C'est le piège pour l'homme. Il dit c'est un piège pour l'homme. Là, il prend à la légère un engagement sacré. Ça veut dire, là où il réfléchit à quoi il fait un vœu. Là, fait un vœu avec bon Dieu, c'est un engagement qui est sacré. Et le fait que son engagement qui est sacré, l'on pas respecter l'engagement, bon Dieu pas jouer avec ça. Amen. Ce bagage dit amen, dit waouh. Wow. Je vais avancer parce que c'est là, c'est pas là. Ecclésiaste 5, verset 3 à 4. Parce que on pile fois, nous faisons des promesses sans que nous pas réfléchir sur ça que nous faisons. Ok, mais qui ça dit dans le texte? Nous allons laisser nous-mêmes qui lit le texte ensemble avec moi. Après 4, 3, 4. Ecclésiaste 5, verset 3, 4. Il dit, lorsque vous faites un vœu à l'Éternel, il dit, pas prends temps pour exécuter son dia. Il dit, pas prends temps, pressez exécuter son dia. Et puis, j'aime t'a dit, qu'un pile fois, qu'un ou à mon arrêté la ville bloquée. Mon imaginé qui s'est bloqué la ville. Qui s'est fait la ville à dessécher. Qui ça fait la ville pas qu'à avancer, qui ça fait pas qu'à prospère. Mais pour autant, c'est tellement bien des engagements que nous faisons avec bon Dieu, nous pas respecter yo.
Elle dit, Python, je ne vais jamais faire aucun vœu. Au lieu, pour me faire, pour me accomplir. Combien de gens là qui ont un vœu qui n'est pas accompli devant l'Éternel? Combien de gens là? Vous songez, vous dites, Seigneur, si vous faites tel bagaille pour moi, je vais faire tel bagaille pour vous. Bon Dieu fait pour vous, côté pas bon Dieu. Sans que vous avez réfléchi matin. Vous avez dit, Seigneur, souffre-moi, j'ai un travail, mais qui ça m'a fait? Vous avez dit, même aller plus loin, qu'on dit, Seigneur, souffre-moi, j'ai un travail, premier chèque là, c'est pour vous. Pas que vous avez là. Dis hello. L'église dit, moi, hello. Seigneur, souffre-moi, j'ai un travail. Premier chèque là, l'éternel. C'est vous. Non, 10% qui t'a pensé pour l'éternel. Lui. By Jesus. Qui en pile promesse ou faire l'éternel. Et ça doit là, bon Dieu, pas oublier. Bon Dieu, c'est même j'ai mon petit, bon Dieu pas oublié. Bon Dieu pas jamais oublié. Même si on est année à passer. Bon, il y a mon parfois qui fait promesse à Haïti. Je pense que l'air vient Saint-Domingue pour s'arrêter à Haïti. Mais qui t'aime d'où? On met fait promesse à Haïti. Promesse à tout quand on traverse, veut te faire, il traverse avec. Amen l'église. Regardez, même quand on est qui c'est pas stable. Ou quitte Haïti, ou vise Saint-Domingue, ou senti Saint-Domingue pas bon, ou traverse Brésil, ou quitte Brésil, ou traverse Mexique, ou quitte Mexique, ou traverse États-Unis. Gardez, n'a pas de quoi faire, on sorti Haïti pour mes salades, ou river Saint-Domingue pour mes salades, ou river Brésil pour mes salades, ou river Mexique pour mes salades, ou river États-Unis pour mes salades, pire. Ça fait douleur, font vers l'éternel, pas tarder à accomplir parole que vous dites. Bon Dieu, j'en oublie, bon Dieu, j'en oublie. Quand nous checkons l'autre texte ensemble avec moi, c'est dans Deutéronome 23, verset 21 à 23. Deutéronome 23, verset 21 à 23. Mais qui s'attaque ça a dit l'église? À nous lire ensemble après 4, 3, 4. Si tu fais un vœu à l'éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais de péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Verset 23. Mais tu observeras, avant de parler, lis. Donc, l'hiver, c'est ça, plus fort pour moi. Je voulais prendre le plus fort. 3, 4. L'hiver, c'est pour accomplir tout ça qui est sorti dans la bouche. Tout ça que tu as fait pour l'éternel, c'est pour accomplir, c'est pour faire. Par conséquent, depuis ces vœux que tu as fait, c'est monté fait volontairement à Dieu. Toute sa bouche où tu es prononcé, c'est pour faire. Amen l'église. Amen. 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 Ah, maintenant, il y a un bon bois, non? Amen. C'est seulement qu'il n'y a pas de parole seulement. C'est seulement qu'il n'y a pas de parole. Parce que c'est pas pour un secret. Ouais, l'on peut mettre un monde, l'on peut mettre un monde en bagaille pour ne pas faire pour lui. Comment pense que le monde en sentit? On a senti le mal, il a senti le déranger.
Mais bon, prendre dans l'autre sens. Là, on promet un bagage, tant ça, on promet, on n'a pas jamais fait. Comment on sentit? Et puis, automatiquement, comment on garde les gens ça? Pour qu'ils soient pas les gens? Comment on a un exemple? Là, on prend un rendez-vous avant l'isima, on vient contre 9h. Et puis, on fait effort depuis à 9h, on chita, on attend les gens, et puis on n'a pas jamais venu. Comment on sentit? On sent tout dérangé, on sent tout mal. Automatiquement, on dit non, les gens ça sont les gens pas sérieux. Mais même j'en l'offre envers l'éternel ou pas de mes paroles, c'est comme ça qu'on dit ouais. Bonjour, on passe sérieux. Excusez-moi pour moi, pasteur Romario. Là, vous avez regardé, bonjour, on passe sérieux. Parce qu'on passe mes paroles. Après ça, l'on l'autre bagaille encore, ou vite font l'autre vœu à l'éternel, bon, c'est pas pour sérieux. Est-ce qu'on l'a maintenant? Moi qui fais un bon exemple là, c'est parce que le premier côté me garder sur mon sérieux, c'est dans l'heure. L'on prend rendez-vous avec. On dit pasteur, il m'a 9h. Moi, je dis 9h pour moi, c'est 9h00. 9h pour moi, il va 9h05. Il va 9h10. Ah, il s'est toujours dit non, 9h50, c'est 9h. Pour moi, non. Je me dis 50 minutes qui après 9h, je vais faire un pile bagarre là-dedans. Because the time is money. J'espère que vous comprenez ça, je me dis. Je vais me faire un peu matin. Donc, premier côté pour être sous sérieux, c'est dans rendez-vous qui va prendre mon. Premier côté pour être sur sérieux, c'est leur promettre mon petit bagaille. Mon regarder est-ce qu'on mes paroles. Ça fait depuis c'est mon qui a pris rendez-vous, là ensemble avec qui habitué avec mais toujours sous pression parce que moi c'est mon qui a l'air. Et ceci me ga vini au rendez-vous 9h avec avant 9h ma par exemple vini pour avoir là. Ouais, tellement terrible. Les m'a marié, nous mettons mariage nous à 4h parce qu'elle a dit 4h pas de problème. Il fait nous font déposite pour si nous ne respectons pas l'heure. Exactement à 4h, boule, parce qu'il a descendu entre l'église. Les jeunes nous en chita, les mariages nous sont dans l'église. 4h, moins 5 mariages nous sont en finale. Amen l'église. Amen. Nous avons toujours des mariages, par contre, comment ça, leur mariage, pas de l'heure. Moi-même, non. Moi-même, non. Nous avons dit 4h. Nous avons plus de monde pour assister au mariage. C'était 4h pour 6h. Là on vient après 6h, on marche par contre, là je ne porte l'église à fermer. Qu'est-ce que pensez marche à pas faire, qu'est-ce que pensez marche à porter par exemple. Il y a je non côté réception à faire. Donc où c'est moun, regardez moun qui va côté là, d'où c'est moun. Ça fait ça, on pas capable enseigner nous ici là. Ça me dit bon ici, l'église va ça commence à 8h du matin. Ma bon défi, essayez 11 jours, essayez ville là. À 7h10 ou bien 7h15 pour assouvir qui dans le moins là. Amen. Mon qui habite à même. Depuis qu'on fait ministre à Boïsia, puis d'arriver là, 7h05. 7h05 moyen d'arriver là. Et comment ça me fonctionne? Après, dit, là où on veut ensemble avec bon Dieu, donc c'est qu'un B sort de dire. Là où on a bon Dieu à prendre au sérieux. Est-ce qu'on a dit amen? Amen. Mais ça ne veut pas dire l'église pour ne pas faire vœu avec bon Dieu. Ça ne veut pas dire pour ne pas faire vœu avec bon Dieu. Ça ne veut pas dire pour ne pas faire promesse avec bon Dieu. Mais ça qui est important, c'est apprendre qui est bien. Est-ce qu'on l'a maintenant? Amen. Et bon, on a tiré encore. Je pense que lorsque nous avons récolté des chaises, pour nous compléter quelques chaises là, il y a un peu de monde qui met dans la liste pour avoir une chaise. Maintenant, un peu de monde, c'est quelqu'un qui te répond. D'abord, on pense que ça, ce n'est pas un vœu lié. Son vœu qui va acquitter. Alors qu'on a, vous pensez ça, bon Dieu, vous regardez comme ça? Là, on prend enveloppe en pile la caille, tout enveloppe ça. Yo. Donc maintenant, le monde qui vient accomplir avec parole, yo, à ministère ça va ici. Là. Donc, lorsque la promesse est donnée par Dieu à l'homme, maintenant, c'est une assurance ou une garantie qui comporte toutes les bénédictions du royaume. Ça fait lorsque c'est Dieu qui promet nous, c'est Dieu qui fait nos promesses, nous avons pas un package complet. Nous avons bien chance pour être ensemble avec nous. Lorsque bon Dieu lui promet le salut, en dans salut, c'est un package qui est complet. Amen. Et c'est la raison ça qui fait parler de nous les héritiers de la promesse. Dis-moi, c'est héritier promesse là. Dis-moi, c'est héritier promesse là. Dis ça plus fort, moi c'est héritier promesse là.
Et une promesse, il y a là-dedans plusieurs étapes. Dis étape. Dis ça plus fort. Étape. Étape. Donc, la première étape qu'il y a dans une promesse, c'est la révélation de la promesse. Dis-moi révélation. Révélation. Dis-moi révélation. Révélation. Donc, il y a promesse révélée. Parce que lorsque Dieu l'a pas une promesse, il fait sûr que il révèle la promesse là. Lorsque Dieu lui dit il parle béni, il fait sûr que il parlait ensemble avec soit directement soit de façon indirectement, mais il fait sûr que il révèle la promesse là. Et même quand c'est une promesse qui parle exécuter dans un futur proche, bon Dieu lui révèle. Regardons le texte ensemble avec dans Luc 23 verset 43. Quoi une promesse qui t'a pas accompli dans un futur proche, mais malgré tout, bon Dieu fait sûr que lui révéler la promesse. Luc 23, verset 43. Mais qui ça dit? Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui même, aujourd'hui tu seras. Ça, c'est lorsque Jésus était à la croix. Vous savez bien l'histoire. Il y a deux barons qui étaient crucifiés avec Jésus. Il y a un qui a injurié Jésus, mais l'autre a dit: maître, songez-moi, l'on va rentrer dans le paradis. Et puis Jésus a fait une promesse. Mais la promesse, c'était pour qui l'a dit? Jésus dit: aujourd'hui même. Jésus dit: aujourd'hui. Et puis après ça, il met des verbes là au futur. Donc c'est ton futur proche. Donc c'est parce que Jésus, il peut monter dans le paradis, mais quand il dit qu'il peut monter dans le paradis, ça peut dire: aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc même quand c'est une promesse qu'a fait quelques minutes après, quelques heures après, donc son promesse lui révélée. Et je invite à checker le texte avec moi, c'est dans Genèse 37, verset 5 jusqu'au verset 9. Bon, Dieu lui toujours fait sûr que lui révèle pour mes yeux. Même quand en plus fort, on ne pas comprendre, mais Dieu lui fait sûr que lui révèle. Il y a 5 à 9. Genèse 37, verset 5 à 9. Genèse 37, verset 5 à 9. Mais qui ça dit? Nous allons aller avec. 3, 4. Il leur dit: écoutez donc. Nous étions allés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Bon Dieu bénit l'église. À travers texte là, bon Dieu t'a révélé Joseph yon destinée lointaine. Bon Dieu t'a révélé Joseph qui ça le pral fait lié, qui ça le pral devenu. Là, nous depuis à l'âge de 17 ans, dans verset 1 point, Dieu lui révélé à Joseph ça le pral dans quelques années. Donc c'est une promesse révélée. Amen. C'est une promesse révélée. Donc, lorsque bon Dieu la foi une promesse, si prend le fond bagavant, lui faire sûr que lui révèle ça le bras le fait avec là. Et de même, dans Genèse 12, après, même bagarre pour Abraham. Lorsque Dieu appelait Abraham, il établit un contrat, une alliance avec Abraham. Donc, la promesse est toujours révélée. Donc, nous, la première étape, c'est la révélation de la promesse. Deuxième étape, là, c'est le temps de l'accomplissement de la promesse. Moi, je dis, première étape, là, c'est qui s'allie? Première étape là, la révélation de la promesse. Et deuxième étape là,
le temps de l'accomplissement de la promesse. Lorsque bon Dieu fait une promesse, ça va pas dire côté bon Dieu faut la faire là tout accompli. Mais même si tu as un temps passé, ou pas besoin de peur, ça bon Dieu dit à la fête quand même. Parce que bon Dieu parole, c'est oui et amen. Donc depuis le palais, ou pas besoin de peur, ça dit à la fête quand même. Mais le temps de l'accomplissement de la promesse, c'est différents parcours, c'est différentes routes, c'est chemin bon Dieu pour le passer avec pour qu'arriver dans la promesse là. Parce que à chaque fois bon Dieu la prend pour la mener d'un côté, il y a un parcours pour le faire avant. Amen. Dis-moi processus. Dis-moi processus. Donc qu'est-ce qu'un processus? Donc processus là, c'est espace qui sépare le recevoir promesse là avec le promesse à accomplir. Donc bon Dieu fait promesse au point A, mais promesse à l'accomplir accomplir au point B. Donc laps de temps ça, espace ça, c'est le temps de l'accomplissement de la promesse. Hein? Ça c'est parcours, c'est différents parcours que bon Dieu a pour le faire ensemble avec vous pour promesse à accomplir. Dans Genèse 37 verset 2. Ouais, lorsque Joseph te recevoir promesse là, c'est qui l'âge Moïse lui gagné? Qui l'âge il gagné? 17 ans. On met des textes à vos carrés. Donc maintenant, je ne sais pas qu'on est qui promesse ou bien sur la vie. Et je ne sais pas qu'on est depuis qui le bon Dieu te fait une promesse. Mais en qualité de pasteur, moi je voulais tout matin, promesse qui doit retarder, mais là va accomplir quand même au nom de Jésus. Donc vous n'avez pas besoin de désespérer, pas décourager. Autant marquer, bon Dieu a que mes paroles lient envers. Il dit voici au verset 1, il dit voici la postérité de Jacob. Il dit Joseph, hein, l'église, Joseph, âgé de combien? 17 ans, dis-moi 17 ans. Ça veut dire, nous, bon Dieu pour révéler une promesse à Joseph à l'âge de 17 ans. Nous connaissons la promesse à révéler. Nous connaissons la loin. Jusqu'à côté promesse à libre accompli. Essayez-moi la kadim à qui l'âge promesse à dérivé accompli. À qui l'âge église? Hein? À qui l'âge? Ok. On va mettre des versets pour moi. Genèse 41, verset 46. Genèse 41, verset 46. Hein? Qui ça dit dans le texte? Joseph était âgé de 30 ans. Lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Dis ça encore. Joseph. Donc, c'est-à-dire, de 17 ans à 30 ans, combien d'années qui passaient? Combien d'années qui passaient? Quel est-ce qui doit décourager? Quel est-ce qui doit dire, ah, bon, j'ai oublié. Bon, j'ai pas menti. Quel est-ce qui même un an qui doit attendre? Pourquoi ça doit là? Dans la vie, Joseph. Durant ces 13 années, il y a un pile événement qui passe. Premier bagage qui pourrait passer dans la vie de Joseph. Frère tellement raïl. Pour ça, bon Dieu dit le pralier. Premier ça, il a fait, il a médité pour tuer Joseph. Qui ça me dit l'église? Il a médité pour tuer Joseph. Et ça fait moi le bon secret matin. Ce n'est pas tout bagage bon Dieu révélé pour presser parler. Je vais redire encore. Ce n'est pas tout bagaille bon Dieu révélé pour presser parler. Et ça fait que mon Dieu, grâce bon Dieu, fait, va mourir déjà. Parce qu'en pile fois, bouche ou parle trop. En pile fois, parcours qui ont passé là. Peut-être que ce n'est pas parcours ça, bon Dieu, qui pour te faire avec. Mais parfois, c'est tellement bouche ou parle, ou mettre dans une situation là, qu'on soit bon Dieu, plus travail. Ouais, première tentative, yo frère. Yo dit à petit Joseph. Mais les grands frères qui étaient dans le mythe tellement remènent, qui étaient les Ruben, ils disent non, on nous l'a gagné dans le pays. Mais tout ça, c'est pour te protéger Joseph. Première tentative. Après ça, l'œil regardé, dans le pays Joseph a mouru. Yo dit, on nous vend les pitons.
Tout ça, c'est processus là. Et ça fait moins plaisir avec un monde matin. Tout ça, passé matin, c'est processus qui a mené dans la destinée. Et qui t'a dit, ou pas qu'à mourir dans le processus là? Non, 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 pas comment ça me dit. Ou pas qu'à mourir dans le processus là? Sous ta mourir dans le processus là, promesse ça vient de Dieu. Parce que les bons défauts en promesse, les mecs sous, que les protéger en ta processus à matin. Processus ça qui doit difficile, mais on pas qu'à mourir là-dedans. Processus ça qui doit difficile, la vie on pas qu'à finir là-dedans. Processus ça qui doit difficile, et bien on pas qu'à rire là-dedans matin. Parce que ça, bon Dieu dit, la faire là, quand même, ça, bon Dieu promet toi, la priver, quand même. Il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir de sa parole. C'est ça, il y a un fils de Joseph, Joseph qui vient en Égypte, il est tombé la caille Potiphar. Mais ça, moi, bien, lorsque bon Dieu, il fait une promesse, li tout dépose en semence en dedans. Quand il remercie au fait, il pense que promesse ça c'est notre tunique là. Et promesse ça c'est pas tunique là. Promesse ça c'était Joseph. Est-ce qu'on l'a maté à l'église? Et ça fait là, il prend tunique là, il cherche bête, il dévore, il remet ça dans tunique là, il porte par papa Joseph. Il dit, regardez, semble bête dévorée. Mais qui ça nous joigne? Bon, c'est bien nous matin. Et puis, quand révélation, Jacob prend le fait. Il dit assurément, tunique là, c'est tunique Joseph, mais ça, ce n'est pas le sang de Joseph. Il y a qu'à prendre tunique là. Il y a qu'à faire démagogie avec elle. Mais moi, déclaré dans le processus sans ou pas qu'à couler. Dans le processus sans ou pas qu'à verser. Parce que ça, moi, je dis, il y a assez de poignettes pour y avancer avec le matin. Oh, moi, je déclaré sous la vie de ce monde. Ou pas qu'à finir dans le processus qui va traverser. Ou pas qu'à finir dans le processus qui va traverser le matin. Et preuve là, il doit être difficile. Mais demeurez. Parce que ça, moi, je dis, l'affaire là, quand même. Durant ces 13 années, Joseph pour elle connaît l'accusation. Le livre la caille Potiphar. Il remet tout bagage sous responsabilité de Joseph. Puis Joseph a bien mangé, bien boire. Petit Paul, comment c'est belle. Et puis, j'ai madame là. Il est tombé sur Joseph. Moi, je voulais dire un bagage matin. Ouais, ou qu'on se mette en dedans, protéger. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre ça. Ouais. Protéger ce mensonge. Parce que l'ennemi a fait tout ça qu'on est pour t'avorter promesse là. Mais moi, je démarre sous la vie de ce matin. Promesse que vous apportez, pas de gens qui t'avorter dans la vie. Ce mensonge que vous apportez, pas de gens qui t'avorter dans la vie. Parce que, au nom de Jésus, ce mensonge est barricadé par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit de Dieu. Merci Juda. Lorsque madame Potiphar fait tout ça capable pour séduire Joseph, il n'est pas capable. Et puis un bonjour. Pas de monde dans la Joseph était là faire office. Madame Potiphar dit bonjour, dis à moi bon souli. C'est pas de monde là. Première fois, c'était tunique là. Les Joseph qui m'a quoi? Joseph vient de l'autre rat bel panto. Mais pour une deuxième fois, bon, c'est bien, non, matin. Regardez, il y a des panto qui ont été sous l'eau, l'assemblée à verre. L'assemblée à verre. Pas grand-chose qui a dit ça, il dit à lui, pas vrai. Mais qui t'a dit, en plus, il ne faut pas défendre nous. Qui t'a bon Dieu défendre nous plutôt. L'église va me dire ça encore. En plus, il ne faut pas défendre nous. Qui t'a bon Dieu défendre nous plutôt. Parce que bon Dieu, c'est Pigo avocat qui compte plaider tout corps ce matin. Et pas de cas qu'il n'a pas plaider, pas de cas qui dépasse, pas de dossier qui dépasse le matin. Lorsque madame n'a mis les mains sur Joseph, pour Joseph qui a protégé ce monstre-là. Quand les garçons qui l'ont, les garçons qui l'ont comme ça. Papa, non, tu penses ce matin, apprends intelligent. Il y a des bagages, bon Dieu, il y a des gens qui ont besoin de voler.
Et qui t'aime tout? Le ennemi a besoin en vous tel, il a besoin de prendre une semence en nous. En plus fois, meilleure façon pour le faire ça, c'est à travers le sexe. Et ça fait pas livrer corps à n'importe qui. Pas livrer corps à n'importe côté. Pas marcher à coucher à tout le monde. Pas marcher à coucher à gauche à droite. Bon, c'est bien nous matin. Dans la relation sexuelle, il y a un pile mauvais transfert qui fait. Bien pour le monde, il faut les destinés dans une relation sexuelle. Vous pensez aux jeunes gens? Il y a des belles jeunes filles ouais sous la terre. Vous pensez que c'est mounioyé? Ce sont des envoyés du diable. L'Elkembe, Joseph, c'est pas toi l'Elkembe. Joseph dit, il n'y a aucun problème. Souffle pas toi arrêter avec vous. Parle toi à prêter avec vous. Mais moi-même, Joseph, je ne pas prêter avec vous. Joseph Krasirak, Joseph courit parti. Pitou nous pas bon jeune gens, mais on protège ce massin. Pitou est le maroso, mais on protège ce massin. Aïe 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 aïe. Regardez, Pitou nous pas composé, mais on protège ce massin. Pitou nous pas galant, mais on protège ce massin. Bon, c'est bien nous matin à l'église. Tout garçon qui l'a dit, alléluia, gloire. Mes amis, durant ces 13 années, il y a tellement d'événements, il y a tellement de choses. Joseph va tomber dans la prison. Mais sans doute, lorsque Dieu lui dépose une semence en nom, tout le monde passe par sa semence. Amen, l'église. Léon fiancé, petit client dans votre tout le monde fait le papa visite. Amen. Tout le monde est basé, basé à petit. Je vous dis, mais il y a un problème. Nous pensons grâce à ce nom de l'allié. Chaque fois que Joseph passe, elle quitte ton rat. Amen. On est avec elle là. Yes. Mais moi-même, Joseph, ma porte est seulement sans. Donc, tout le côté passé, pas là avec. Yes. Ouais, là, quand Joseph, pour Dieu montrer l'élevé, notre position d'autorité, yes. Joseph privé la caille Potiphar. Automatiquement, il fait même grâce à grâce à l'élévation sous la ville. Lui placer la position d'autorité. Joseph quitte la caille Potiphar, il fait dans la prison. Le rivé placé en position d'autorité, pirette. Et lorsque la grâce est en toi, lorsque la grâce est en toi, il n'est pas question de prisonnier. Parce que tu portes quelque chose. Et qui t'aime d'où? Regardez, en tant que processus là, bon Dieu pas oublié. En tant que processus là, bon Dieu va créer un moyen pour accomplir la parole libre. En tant que processus là, que mon bon Dieu va le doubler en faveur matin. En tant que processus là, que mon bon Dieu va le perturber pour avancer avec là. En tant que processus là, bon Dieu va le trouver en situation. C'est seulement même qui a résolu pour passer avec matin. Durant ces 13 années, je vous apprends toutes sortes de vie. Et c'est comme ça. Moi, je vais troubler, mais quelqu'un de serviteur, les chansons et le pantier qui étaient dans la prison. Ils ont chaque fois un rêve qui était troublé. Monsieur levait tout triste. Et puis les Joseph gardaient monsieur, il dit, mais pourquoi ils sont tristes comme ça? Et puis c'est alors qu'ils ont expliqué Joseph une révélation qu'ils ont fait qui rend triste. Et puis Joseph, par une explication, une révélation, Jean, lié. Là, ils ont sorti vraiment, toute explication est tombée. Telle qu'elle est. Mais quand Joseph te dit, les chansons, il te dit, oui, il est pour le rétablir, il est pour le rétablir encore dans la position, mais pas oublier. Mm. Qui ça Joseph dit? Pas oublier. Mais qui t'aime tout? Quel bagage bon Dieu va pour l'homme participer là-dedans? Parce que si l'homme participe là-dedans, les hommes ont gagné gloire. Ou quand il sait grâce à un tel qui fait là. C'est grâce à un tel qui fait briller votre vieillard. Qui fait que vous ne pouvez pas l'homme participer là-dedans, petit. Non. Regardez, soit famille oubliée, c'est parce que bon Dieu voulait gloire réservée à lui-même seul. Soit pour nous écouter sur lui, abandonner. C'est parce que gloire, bon Dieu va vouloir partager. Soit pour vos amis, lui virer de l'eau, c'est parce que gloire, bon Dieu va vouloir partager. Ah, l'ami s'est arrivé. Il y a un établi mission dans le royaume, ni mission oublié Joseph. Là où il a fait révélation pour raccourcir,
sept vaches grasses et sept vaches maigres. Dans la même lutte là, on va faire une révélation encore. Tu as sept belles épis et sept vieilles épis. Personne ne pouvait expliquer au roi ce que signifie cette révélation. Et pendant que roi a dominé, roi a fâché, personne ne va expliquer. Et puis c'est alors les chansons, il va dire au roi, je me souviens lorsque j'étais à la prison, il y a quelqu'un qu'on appelait Joseph. Moi-même avec Pantia, nous avons fait une révélation, l'idée de nous explication, et nous avons sorti exactement, j'en ai expliqué. Il dit, moi, je assuré, si nous voulons chercher Joseph, la bonne explication. Durant ces 13 années, il y a un peu de bagages qui passaient. Il dit, c'est comme ça, pour que pour mes ça, il est capable d'accomplir. Hein? Yes. Yes. Le temps d'accomplissement de la promesse. Le parcours, le processus. Et puis nous voyons où prendre Joseph dans la prison. Il s'en remet avant que Joseph sorte. Joseph connaît pour présenter devant le roi. Il y a un protocole. Dis-moi la foi. La foi. Dis-moi la foi. La foi. Ah, dis-moi la foi. La foi. Joseph va le présenter devant le roi. Il était quand il a retourné dans la prison encore. Pour raison, Joseph rasé. Il fait cheveux. Il est habillé. Parce qu'elle connaissait le temps qui est arrivé. Regardez mon petit bocoto là, dis préparez-vous parce que c'est une saison qui arrive. Dis préparez-vous parce que c'est une saison qui arrive. Si vous regardez mon dieu, regardez mon dieu, dis préparez-vous parce que c'est une saison qui arrive. Ah, saison tristesse a dit passé déjà. C'est saison la joie qui arrive sous la vie. Saison la honte a dit passé déjà. Mais c'est la saison de la joie qui arrive. Oh, saison humiliation. Il passait déjà, c'est la saison de la gloire qui arrive. C'est son Dieu de bien signé là. Il passait déjà, c'est la saison de la gloire qui arrive. Sur ta vie, je prophétise, sur la vie de mes personnes. Dans ce salle, il y a des côtés de blé, de place pochée, au dernier abandonné, de prendre l'élève, de prendre les jetés, de prendre le chercher. Deuxième étape là, c'est le temps de l'accomplissement de la promesse. Pour pas Joseph là, peut-être qu'à accomplir, il a besoin de 13 ans. Pour la peut-être qu'il a besoin d'un an. Gen moun, processus par là, il doit prendre 2 ans. Pour ça, gen moun tout, processus par là, il doit prendre 20 à 25 ans. Donc le temps, le parcours, c'est Dieu qui détermine ça. Amen. C'est pas vous-même qui détermine. Et ça fait, lorsque bon Dieu lui fait une promesse, ou même seul son besoin fait, ou besoin recevoir promesse là et demeurer dans la volonté de Dieu pour ne pas rater saison accomplissement promesse. Amen l'église. Amen, amen l'église. Amen. Troisième étape là, c'est le lieu de l'accomplissement de la promesse. Et nous, lorsque Joseph a recevoir promesse là, qui compte le Canaan. Dis-moi Canaan. Mais promesse là, il n'est pas fait pour Canaan. Promesse à te doué accompli qui côté en Égypte. Bon Dieu béni. Amen. Amble du matin qui t'est égaré. En pile fois côté bon Dieu promet dit la béni, c'est pas là le pour jouer bénédiction. En pile fois côté bon Dieu promet dit la plaie voilà, c'est pas là la plaie. Et ça fait en pile fois où rete ou concombe ou bien touye ou beaucoup de poudre raille ou parce que des endroits où t'es levé là bon Dieu va ca béni ou là. Que des endroits t'es commencé là ou pas ca fini là. Que des endroits l'autre petit tata tout est là c'est vrai. Vous êtes dans ce jeu de manger avec tout le monde, c'est vrai. Vous êtes sans vision. Vous n'avez pas pour l'école. Vous n'avez pas étudier. Vous n'avez pas faire business. Là, vous avez besoin de vous faire les vôtres. Il faut se déplacer dans le business. Regardez, il faut se camper. Si vous n'avez pas de là, il faut se déplacer dans le business. Il faut se déplacer. Amen.
Moïse Chita. Peuple fini avec un matin. Dès que nous avons fait un petit casse en plus dans le thème, ce n'est que le commencement. Vous ne pouvez pas connaître les gens qui ont vous avez marché à pied même à tout le monde. Vous ne pouvez pas acheter une machine là, non? Soit acheter une machine à kidnapper ou visite. Soit acheter une machine. Ou en tenant un combat qui n'a pas mené, non, visite. Que des gens nous restent sous-mariés, faut quitter lui, parce que ce n'est pas qu'il marié dans son nom. Tout le monde qui est dans son nom, il y a un gros sang, il y a un frère qui est marié. Mais si vous êtes marié là, devant chez vous, il y a un frère qui est là, il y a un fini à faire. Que des gars, mon Dieu, promesse là-bas, vous ne pouvez pas faire de votre côté. Que des hommes qui ne peuvent pas le recevoir pour. Regardez ça, mon Dieu, dit la foi là, il ne peut pas le recevoir. Joseph a reçu la promesse à Cana. Mais la promesse, ce n'était pas pour Cana. La promesse, c'était pour Égypte. Et ça fait vraiment important pour capable le don de discernement lorsque Dieu t'a promis quelque chose. Dis-moi discernement. Dis-moi discernement. Regardez mon qui va vous donner la dîme intelligent. Une fois, même mon mari, bon Dieu, vous promettez une série de filles là-bas. Vous connaissez ça que ma jambe jeune lit? Bon Dieu, promettez la bon mari et vous êtes chez dans un seul côté. Non, on va dire amen, non? Amen. C'est ça que fait, moi, mes initiatives, la jeunesse, bon ici. Hein. Parce que vous êtes là, là, maintenant, mais. Fiancé ou mari ou libre ici. N'est-ce pas là l'église? Ça va me dire parce qu'on marche là, madame Bola c'est l'allié. Lika Ozanan qui a su le rocher. Hein? Ah, bon moi, ben c'est libre dans la là. Lika n'a pas deux. Donc on a qu'à imaginer, la jeunesse planifie pour y aller faire un camp. Et on devra faire 3 jours de l'homme. Mais ça fait 3 jours pour 3000 personnes. Non, je suis dans le droit pour aller. Pour 3000 personnes, posez-moi le bon mariage. Pour 3000 personnes, là, bon mari ou là. Parce que, posez-moi nos mariages en l'église. Parce que, durant ces 3 jours, qui a un pile bagage qui a passé. Durant ces 3 jours, posez-moi qu'à rêver le yomboun. Regardez, durant ces 3 jours, des garçons qui ont des capacités pour le découvrir plus de qualité que la caille. Quand on a encore comme ça à faire, pour me marier, pour me réchita. Regardez, des garçons là, ils ont pas jamais compte qu'on joue boule. Mais pour autant, il y a des filles, ils ont mes garçons qu'on joue boule. Mais quelqu'un qui va connaître qu'on joue boule, pour autant s'en fout pour eux. Qui est-ce? Qui a des promesses pour Dieu fort, en plus fort, fort déplacé. Et pas sans raison, lorsque Dieu dit promet à Abraham, il dit Abraham, je vais le bénir. Mais pour me bénir, il faut d'accord, lever, quitter le papa, quitter le pays, quitter partout, pour se mettre dans l'église. Papa, il faut se lever à Soukonde, soit avec nous dans l'Espagne, il faut se marcher. Ah! Faut-il sortir, faut-il sortir, mais toi bien belle, bien chic, bien chat, faut-il sortir, faut-il sortir. Moi ça fait même bouc avec l'évangile d'être en bas de la baille. Moïse a toute fille de belle. Depuis ces jeunes filles, Moïse a toute fille de belle. Là, Moïse a balancé service matin, midi, soir. Nous faisons service matin, dimanche après-midi, nous réservons pour la jeunesse ou bien pour sortir, pour le loisir. Il faut un temps pour famille. Si un jeune garçon veut se poser avant, qui est là pour poser avant? La Bible est là, il m'a dit, il dans sa demande.
Alléluia. Le lieu de l'accomplissement de la promesse. En plus, à côté, mon Dieu, faut promettre ça. C'est pas là que la tête. C'est pas là qu'on a accompli la promesse. Donc, on a besoin de déplacer. Amen, l'église. Ça, on a besoin de faire. On a besoin de déplacer. Regardez, moi j'ai senti en ce mois d'activation de promesse, il y a quelque chose de secret qui va se passer ici dans ce ministère. Parce que vous recevez un peu de prophétie, vous recevez un peu de promesse, et ça fait un mois ça. N'a pas indiqué, n'a pas guidé, comment pour activer yo. Pensez bien nous l'église, comment pour activer yo. Et ça fait fort intelligent, fort chaud. Bon, finir avant. La révélation de la promesse, le temps de l'accomplissement de la promesse, le lieu de l'accomplissement de la promesse, et enfin l'accomplissement de la promesse. À côté de nous, processus d'agglomération difficile, on va arriver quand même. Et sois intelligent pour comprendre qui côté bon Dieu l'a accompli la promesse. Donc, malgré tout ça, Joseph passé, ça bon Dieu te dit l'affaire avec là, il fait le quand même. Et pour ça, frère Lyotera, il l'a. Donc ou ta, li rive, et yo wel, yo vive li. Amen. Et ça fait matin ma bon secret. Gen des moun qui te raï ou, yo pou ka mouri. Gen moun qui te médite ma pou, yo pou ka mouri. Gen moun qui m'a fle wa succès wa, yo pou ka mouri. Aïe 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 aïe. Gen des ennemis ou genyem, priez pour yo parce que yo pou ka mouri. Parce que faut que yo célébre dans délivrance. Faut que yo assiste délivrance. Genèse 46, Genèse 42, verset 6. Genèse 42, verset 6. Rapidement, on veut finir. Nous allons excuser parce que je me dis que nous avons fait 15 débords de matin. Mais excusez-moi, je veux finir. Nous avons quelque chose pour nous faire. Genèse 42, verset 6. Et qu'est-ce qu'on dit? Joseph commandait. Lorsque Joseph commandait, c'est le verbe commander. Ça veut dire c'est Joseph qui a commandé. Donc, quel que soit le monde qui a commandé, il est chef. Pensez bien dans l'église. Quel que soit le monde qui a commandé, c'est chef. Et puis, pendant que Joseph a commandé, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Deuxième partie verset, lisez l'église. Les frères de Joseph vinrent et se. Comment vous prosternez? Les pas là, Joseph, comment vous allez? Rapidement, regardons notre texte avec. Genèse 43, verset 24 à 26. Genèse 43, verset 24 à 26. Vous voulez finir avant matin. Yes. Yes. Il dit, cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph. Ça c'est un ouvrier qui a travaillé à Joseph, qui t'a amené frère Joseph à la caille Joseph. Les fit entrer dans la maison de Joseph. Il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leur âme. Ils préparèrent leur présent. Il ici représente qui? Les frères de Joseph. Ça veut dire frère Joseph, il te vend Joseph pour être une révélation. Vous savez dans l'église? Pour être une révélation, il vend Joseph. Mais quand il y a un monsieur avec cadeau, il y a avec cadeau pour venir honorer Joseph. Hein? Ils préparèrent leur présent. En attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'ils mangeaient chez lui. Continuez. Quand Joseph fut arrivé à la maison, il n'a jamais retiré il là. Parce qu'il s'en a pas placé.
les frères de Joseph. Dis encore, les frères de Joseph lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté. Et ils se prosternèrent. Qui révélation Joseph t'a fait? Regardez lui, ouais. T'es 11 étoiles, la lune, le soleil, là. Ils ont prosterné devant là. Papa Joseph t'a demandé, qui ça, ça veut dire? Est-ce que ça veut dire moi avec maman? N'a vient descendre devant. Est-ce que frère, yo, il a vient descendre devant? Pensez bien nous matin. C'est pas moi qui a fait là, mais c'est bon Dieu qui a fait là. Et même si vous fâchez au mauvais, même si t'es à trembler, vous pas qu'à empêcher là. Parce que bon Dieu qui est ancien, puis ça déjà, c'est lui qui a fait. Qu'est-ce qu'on capte là jeudi si Dieu veut? Parce que maintenant de supposer moi avec vous, précisément c'est maintenant c'est quelques clés d'activation de la promesse. Les clés d'activation de la promesse. Il faut savoir comment activer les promesses de Dieu. Nous étalons ensemble avec vous. C'est quoi la promesse? Et ta promesse là, nous ferons comment pour entrer la promesse. Clé d'activation de la promesse à jeudi si Dieu veut. Dis-moi qui va vous donner la grande émotion. Alléluia. Jésus, au nom du Saint-Esprit. Sans ton essai, Seigneur. Oui, voilà. Même si tu apprends, même si t'as pas, même si t'as pas, même si t'as pas, même si t'as pas,
terre. Bon, on sent dire, on a mon levé, mais on a mon motif, on a mon vif, on a notre bagage. Après, on vit un message, on a mon levé, on peut activer la promesse de Dieu. Levez mon frère, Dieu, et mandez vos présence, mon Dieu. Mandez vos puissance, mon Dieu. Marchez dans ça là dans le nom de Jésus. Mandez vos onctions, mon Dieu, depuis devant. Depuis sous chair, dans toute assemblée. Dans tout le monde, levez mes mains et puis prêtez mes bouches. Dis ma terre. Je vais déclarer. Dans le nom de Jésus. Dans l'activation, promesse, moi arrivé. Parce que Bible a dit, pas penser avec ça qui passé, mais qu'on bagaille tout neuf qui a fini. Et ma terre me couait. Au nom de Jésus, promesse pas ne l'a pas accompli. Et mon frère me dit, promesse moi, n'a pas accompli ma terre dans le nom de Jésus. Promesse moi, n'a pas accompli. Ça mon Dieu te dit non, ça mon Dieu te montre non, ça mon Dieu te montre non, là pas compris au nom de Jésus. Levez mon Dieu au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. N'importe côté, yo débarré, pour ne pas entrer dans la promesse pour eux, et déclaré au nom de Jésus. Au nom de Jésus, moi déclaré, si je marche pour m'entrer dans la promesse là, pour mettre en rapidité, moi voler au nom de Jésus. Si je marche, moi voler. Si je marche, moi courir. Si je marche, moi voler. Parce que ça va entrer dans la promesse là. Attendez. La Bible dit. Une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il dit comme ça, elle marche vers son terme. Elle dit, son terme est dans nouveau comme elle. Il dit, donne-moi, parce qu'elle dit pour l'accomplir. Elle dit, certainement, elle dit pour l'accomplir. Elle m'a dit, c'est mon Dieu fort de la promesse. C'est mon Dieu fort de la promesse. C'est mon Dieu fort de la promesse au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Acclame sa présence. Bien. Amos. Levez-moi côté. Avancez, parce que mon Dieu dit aujourd'hui, hein. Qu'on bagaille que le besoin fait dans la vie qui est extraordinaire. Parce que pendant que mon élo là, moi senti que mon égo affection pour vous. Et Dieu dit, je senti que mon affection pour lui, hein. C'est comme ça tout cœur nous révèle. Mais le grand moment que la passé dans la ville pour le moment qui est vraiment difficile, que le pas qu'à expliquer moi. Et matin, dans le nom de Jésus, Dieu ouvre les yeux sous libre. Parce que moi dis ça, chaque moment que nous présence, mon Dieu, qu'on étronisation que nous faire. Donc, c'est vous donner qu'il y a étronisation, qu'on trône qui est établi. Et Dieu a dit pour nous matin, la commencer à faire des choses dans la ville qui est extraordinaire. Souffrance que nous aujourd'hui. Humiliation, mais déception que après aujourd'hui. Dieu dit pour Dieu, on ne peut pas arrêter comme ça. Parce que le temps est venu pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Seigneur, moi touche dans le nom de Jésus. Moi touche dans le nom de Jésus. Et pour nous toucher là, c'est pour du feu. C'est pour du feu qui l'atmosphère a touché. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois le feu pour l'élévation. Reçois le fait pour l'activation de ta promesse. Recevoir le cognac. Recevoir le cognac. Mais le sou, cognac. Touché par la puissance de Dieu. Touché par la puissance de Dieu.
augmenter, que ça augmente, que ça augmente, que l'humiliation finisse, le temps de l'accomplissement, que l'État.